Bonjour les Minecraftiens, ici CelB35 pour un nouvel épisode de Minecraft vous est offert avec des arbres à moitié brûlés. Merci Fanax. Salut, pourquoi tu fais une tour? Aide-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi, je suis coincé. Ouais. Oh, regardez qui est là-bas. Il y a des gens là-bas. Bouge plus, Comix plus, Comix t'as vu? Oui, une île. Oui, je vois une île, moi aussi. Enfin. Oh, ça Sérieux, fait des y a années des gens, c'est trop cool. Ça fait des années, oh là là. Mais c'est bon, ça, mais j'en avais marre pour aller au bas. Non, non, on vient en allié. Sabri, ne nous attaquez Comix pas. Non, ouais, mais non, c'est... Ali, Ali, non, nous sommes Ali. Des exilés. Oui, venez par là, venez. Qui êtes-vous, bordel? Oh, mais ne nous attaquez pas. Et tu dis à ton ami d'arrêter de nous attaquer. Mais oui, on n'a rien fait, nous. Et on viendra. Reviens, Baban. Baban, ça faisait super longtemps. Comix. Salut, Zelbé! Vous mettez à descendre? Allez, je vous donne un Et peu de bouffe. Vous pouvez m'aider à descendre? C'est un peu violent comme. Oh mon dieu! bienvenue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bienvenue, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. T'inquiète pas, la bienvenue sera la mauvaise venue plus tard. Ouais. Voilà, ça. On connaît Baban et. Et Comix, qu'on surnomme Spirit Wolf. Mais on les avait pas vus depuis longtemps avec ces histoires de naufrage d'île, on avait aucune nouvelle. Et vous êtes venu là, mais pourquoi vous êtes venu là? Parce qu'on t'emmerde! Voilà, exactement. Il a tout dit. T'as un Joff, quelque chose à rajouter? Non, mais en fait. Je sais pas où vous étiez, alors vous avez décidé de faire une petite balade au bateau entre amis. Et pourquoi vous étiez dans des petites barques de merde là? Ah, parce qu'on vous cherchait, bon le con, pourquoi vous êtes parti de l'île? Vous aviez pas des moyens de faire venir un bateau, je sais pas. Bah non, j'avançais pas à l'autre. C'est la crise économique. C'est trop gros.
Et ouais, et vous vous retrouvez affamés comme des merdes sur cette île. Bon, ça tombe bien, on a un peu de nourriture. Ça fait un moment qu'on survit là, on a commencé à s'adapter. Et t'as quoi comme épée, petit vieux? Petit vieux! En ce qui me concerne, c'est je l'ai épuisé à deux reprises. Ah bon? Ça s'appelle comment ton épée? C'est une épée en eau? C'est une épée en diamant. Ouais, on a l'impression. Diamant! Et c'est quoi cette lumière qui est étrange? La magie de Satan, c'est ça? La magie de Satan? Comment est-ce que vous pouvez contrôler l'eau? Mais il y a de l'eau tout autour, mais qu'est-ce. Pourquoi? Non, comment vous faites? Bah, on a des seaux, on est remplis d'eau et on. Vous êtes devenus des démons! Oh. Et on fout de l'eau partout. Oh! À l'aide. Bravo! Je peux plus remonter! À l'aide! Oh, Baban! Bon, allez, je te soulève. Allez, bah, avance. On monte. Tu vas nous tuer. À l'aide. Je vais mourir. Monte, n'arrête pas. Bien. Ça y est. Allez. Tes poumons étaient à moitié remplis d'eau là. Je sentais ta respiration. Bon, c'est qui a foutu l'eau partout là? Absolument partout. Vous êtes possédé. Jaff. Je n'ai pas confiance en vous. Prouvez-nous que vous êtes des vampires. Vous avez l'air changé depuis la dernière fois. Non, mais non, on est sympa. C'est toi qui as changé. Attends, t'as pris une voix d'octogénaire. Je m'en fiche. Pendant un an, je vais faire ma maison tout seul et je reviendrai avec vous plus tard. Sérieux? On sera sûr qu'on pourra vous faire confiance. Non, je déconne. Je vais venir faire des trolls dans les maisons. Ah bah toi, t'as vraiment pas changé en fait, finalement. Oui, je sais. Bon, c'est l'île immergée de Baban et Comics. Hein. Comics. En partant un Joff qui n'a rien perdu de son génie d'architecture tout ce temps-là. C'est du sarcasme. Ouais, j'ai toujours rien perdu en architecture. C'était un sarcasme. Ça m'aurait étonné. Non mais là, il vient d'inonder une île et de faire des tours en cobble, attends. Oh là là, je fais une tour en cobble. Ouais, j'ai le droit d'avoir mes délires. T'as oublié déjà que tu sais, à force de rester sur une île déserte, au bout d'un moment, t'as quelques incidents sur la santé. En plus, c'est quoi les jeux sortis cette année là? Je crois même qu'on est passé en 2015, j'ai pas compté les jours de manière très précise, mais il me semble qu'on est passé en 2015. Normal, t'es vieux! On a dû passer en 2015, ouais. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on est là. Déjà? Moi, une conception un peu aléatoire du temps là. Assassin's Creed Unity qui est sorti, qui se passe Harry. Parce que voilà. Oui, ça fait un an que vous êtes là. Ça fait un bon moment qu'on est là. Oui, mais moi. Vu comment vous êtes, vu votre gueule. Aïe! Désolé. On a bien survécu. On retourne un petit peu à la base là. On va vous donner de quoi survivre, les amis. Oui. Si vous vous demandez pourquoi il y a une flèche au-dessus de cette montagne, demandez à Tinjoff, il saura vous l'expliquer mieux que moi. C'est le pêche, je dois y aller. Pourquoi? Un tir au bateau. Dernière fois. Reviens là. Je reviendrai prochainement. A plus. C'est pas l'idiot. La dernière fois que t'as fait ça, on s'est perdu. C'est pas idiot. Je crois qu'on a perdu Baban. Baban est reparti. Il reviendra, je l'espère. Et au moins, on a eu l'occasion de lui parler un petit peu, ça faisait tellement longtemps. Je suis sûr qu'il reviendra. Bon, bah, je connais c'est un peu genre à dire ouais, je quitte ta team de merde, t'as vu? Et puis après, tu laisses-moi rentrer dans ta team. Bon, là, vu qu'il est apparu sur l'île, on n'a pas tellement le choix, mais. J'espère qu'il sera là de temps en temps quand même. CLB, oui. Viens au niveau de la flèche. Tu crois que j'ai que ça à foutre? C'est à 100 mètres d'altitude, tes conneries. Il y a un beau cadeau. Tu parles des diamants que t'avais cachés là-haut à la base, je les ai pris depuis longtemps. Hein. Ah non, c'est pas des diamants, c'est encore autre chose. Ouais, parce que Tinjoff et Bentrez ont pas mal miné et nous ont ramené un nombre assez exorbitant de diamants, moi ça je vous en avais parlé dans un épisode précédent. Les diamants, vous êtes sérieux? Il y a Fluffy qui manque un peu de bouffe, hein, je vais lui en donner. Et tu laisses tout comme il. Oui. C'est CLB qui doit voir. Voilà. Et vous cassez. Et CLB, tu casseras le coffre au passage. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je me téléporte à vous par une force magique des esprits ou
où je non, me non, tu montes au sommet de la montagne, tu te fais chier. Je monte sur un montagne pas à cheval, et je monte sur la montagne pas à cheval, et je monte sur la montagne. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu récupéreras le coffre aussi, c'est ouais, vous êtes sérieux? Le coffre. T'as un joueur, je t'ai déjà dit de parler avec une seule personnalité à la fois, sinon on ne comprend plus. Vous êtes sérieux? Oh là là, t'as un joueur. Vous avez pris Quasimodo? Vous êtes sérieux? Yep. De la musique. Et une armure de cheval. Merveilleux. Franchement. Tiens d'ailleurs, Bentress m'a très récemment rendu mon caméscope. Hein. Faut pas que j'oublie de montrer les extraits que j'ai tourné, qu'il a tourné dans la vidéo. Eh bien, tu n'oublies pas de casser le coffre. Tu crois que je te vois pas. C'était presque parfait. J'ai pas de hache. Moi j'ai une hache en diamant parce que c'est la police. Oh bah tiens, j'ai un disque de musique. Tiens d'ailleurs, où est-ce que tu as trouvé tout ça? Tous ces disques? Le disque 4. Ben, quand on a exploré, on a trouvé des donjons. Des donjons? Oui. Parce que monsieur se croit dans un RPG. Monsieur veut conquérir des dragons pour trouver l'Ocarina du temps et aller dans sa petite enfance pour massacrer Ganondorf et compagnie là. Je suis sûr que toutes les improbabilités que nous avons connues jusqu'ici, on va tomber sur des dragons un jour ou l'autre. Sérieux, vous avez connu quoi? Oh bah pff, c'est une longue histoire, regardez cet épisode une fois qu'ils sont postés quand on sera de retour. Et comment tu veux qu'ils les regardent? Bah on les postera quand on reviendra. Après bah, c'est sûr que si on meurt sur place, c'est pas pratique. Mais Bah si comme je te le dis, on rencontre des dragons, ce qui est plus que probable désormais. On t'as des délires bizarres des fois, t'as un Geoff. Hein. Comment tu sais qu'il y a un dragon ici? Je sais pas. On sait qu'on a un danger qui nous guette, quelqu'un qui enchante l'île et qui nous détruit un petit peu, qui nous ronge un petit peu de l'intérieur et essaye de nous tuer H24. Et on ne sert absolument rien sur lui. Si c'est un dragon, je mettrai ma main à couper que c'est pas un dragon parce que les dragons ça n'existe pas. Qu'est-ce que t'en sais, on dira les creepers, ça n'existait pas non plus avant qu'on les découvre ici. Bah voilà. Ouais, puis je peux croire à tout, mais on verra bien. Les probabilités que ce soit un dragon, c'est quasiment impossible. Jusque-là, dans mon ça peut être n'importe quoi, on peut pas dire haut et fort comme ça que c'est un dragon sans même avoir connu. Ah, mais je dis pas que celui-là qui est un dragon. Pour moi, c'est un être. Pour moi, c'est juste et tout simplement un être surhumain, surpuissant et qui a tous les pouvoirs. Mais il aurait donc le pouvoir d'inviter les dragons, putain de merde. Ouais. Oh ouais, pas faux. Ouais, là, mais bon, si tu crois que c'est une science exacte, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'à code, mon cher Jean-Pierre. Ah bah, dites-moi ce qui est probable de pour oreille gauche, arriver le probable sur oreille droite, oreille gauche, oreille droite, oreille gauche, oreille droite, le disque de musique, mon casque enregistrant stéréo. Jeb, il s'est échappé. J'ai tiré sur le mouton. Jeb, il s'est échappé. Non, c'est ne tue pas. Ne tue pas, c'est Jeb. C'est Jeb. Ce mouton change de couleur. Oh, et puis, on t'avait bien parlé des improbabilités qu'on avait trouvées sur cette île. Quelqu'un avait une laisse pour le ramener. Là, ça devient grave, je suis désolé. Oui, c'est un mouton hippie, il est sous LSD et son pelage se répercute à ce qu'il voit, en fait. Faut avoir un peu pitié du pauvre Jeb. Quelqu'un a une laisse quand même pour le ramener? On peut pas laisser Jeb comme ça en liberté, attends. Oula. Allez, c'est Jeb quoi. Jeb. Tiens, viens voir Comics. Ouais. Viens voir le creeper. Ça s'appelle un creeper. C'est très bon. Bien. Bien joué. Oh mais. Bien joué, t'es à l'agonie maintenant. Je vais te ramener à la maison. Non, c'est bon, je suis déjà à ma base. Je me déplace très vite quand j'ai mal. Bizarrement. Qu'est-ce que. Bah, logique. Oh, mais attends. What the? Putain, Jav, mais là, t'es allé plus vite que le son, plus vite que la lumière, je t'ai pas vu partir. C'est quoi ce délire? Je vais très vite quand j'ai mal. Très vite. Non, mais attends, mais même Putain, Jav est absurde. Et Jeb qui se téléporte, non, mais Nawak, quoi. Mais du coup, j'ai passé mon temps à souffrir quand vous arriviez. Et donc t'as pris l'habitude de te déplacer assez vite pour pas que tu souffres. Et pourquoi tu te déplaces pas plus vite quand j'ai entendu un bruit bizarre.
Non, mais... Parce que j'y arrive pas. Est-ce que c'est que ça? D'accord, d'accord. Est-ce que la vie des araignées géantes, en fait, c'est... Ouais, je sais, pas ce, ce que notre monsieur là, notre grand ennemi dont on ne sait absolument rien, mais qu'on sait qu'il existe parce que... Parce que voilà. On a 2-3 informations dans le Jury Sanctuary, mais quasiment rien, globalement. Il y a un zombie avec une pelle. Ah bah c'est toujours Night of the Living Dead ici, faut pas croire. George Romero a sponsorisé cette île. Mais si ça se trouve c'est George Romero qui tire les ficelles depuis le début. Non, ça fait mal. Bon, bah pense ce que tu veux, t'es un... Je pense que toi t'es un extraterrestre aussi, moi la reine d'Angleterre. Mais attends, mais là je suis au bord du suicide avec vos conneries. Faut arrêter de déconner. Désolé. C'est longtemps que j'ai pas combattu, alors j'essaie de me remettre dans le bain. Mais c'était une mauvaise idée. Parce que les tarpilles. Ouais, t'as pas combattu, mais sache que tu y mets ta vie en gros. Hein. Là et ici. Pas de place au hasard, t'as pas intérêt à faire de conneries. J'ai trouvé un briquet. Ah, au fait, gagne beaucoup gagne de l'énergie en buvant de l'eau. C'est bien pratique. Sérieux ? L'eau est vachement bonne sur cette île. Putain, Joav, je t'ai déjà dit de parler avec une personnalité à la fois. YOLO ! D'accord, ok. Je viens de me faire violoncer par un squelette Archei de la mort, de la sœur de la vie de l'ennemien. Non, un zombie dans l'eau, et allez, ça continue, et c'est la fête. Les bestioles vertes qui explosent, vous appelez ça comment? Bah, ça nous a fait pousser des cris de peur à maintes reprises, donc creeper. Okay. Ouais, c'est Jean-Michel Jeunemot qui a trouvé le nom. D'accord. Viens à la base. Oh, deux creepers. Oh, comment je les ai gérés. Vas-y, allez, où t'as vu? Oh, Dieu! Digne de Dieu! Nom de Dieu! Aïe! Ah, mais tiens, regarde, ça c'est un zombie, c'est un bébé zombie qu'on a apprivoisé. Oui, ça j'avais vu, vous l'avez appris Quasimodo, mais vous écoutez pour vous, mec. Bah, c'est quasiment un modérateur, donc par logique, Quasimodo. C'est encore Jean-Michel Jeunemot qui a trouvé. Si c'est un modérateur, ça veut dire qu'on est dans un jeu, et si on est dans un jeu, ça contredit tout ce que tu nous dis. Non, les modérateurs ça peut être aussi sur les sites internet. Oui, mais dans ce cas, c'est un site internet, c'est fort, quoi. Ouais, non mais... non mais c'est presque un modérateur, donc c'est pas complètement un modérateur. Donc... Bon, je vais essayer de trouver Jean-Michel Jeunemot là, il habite pas loin de chez le Daemon, je crois que c'est le Daemon en fait, Jean-Michel Jeunemot, je sais plus. Enfin, bref, c'est un type. Ah, j'ai trouvé, c'est lui Jean-Michel Jeunemot. Va en enfer. Ah, en plus t'es super grand là. Mais c'est raciste, vous êtes en train de tuer des noirs, c'est raciste. Bah, une nouvelle débloque, écoute. Hein. Alors là, par contre, ça tombe dans le grave long, on va peut-être éviter, on est sûr. Quand on bat. Regarde ce que je mange devant la caméra. Devant la caméra, donc arrête de derrière. Hop. Oui, on sait Koh-Lanta, évidemment, hein. On bouffe des yeux d'araignée, pas de problème. Hein. Fais ce que tu veux, hein. Fais comme chez toi. T'as posé du film par terre pour une raison qui m'échappe. Ah! Parce que le film, ça brûle! Faire d'un jaf! C'est il l'a rendu complètement. Ah! Je l'étais déjà avant. Fou. Voilà. Je répète ma demande. Après longtemps, moi. Et j'ai encore un homme noir qui s'appelle qu'on a bien dormi. Ah bon. Bon, c'est un petit peu les combats épiques. Hein. Parce que les fitness on aime bien ça. Non. Ah non. Ah non. Oh, Astuteur a failli exploser une underball. Ça m'est arrivé en épisode. Bien de voir la caméra, l'underball, creeper, plus d'underball. Comics, viens voir,
Ouais, tu es où? On est des combattants de l'enfer. Ah, un bébé zombie, ils sont encore plus dangereux que les parents. Sérieux? On m'a foutu de la jeunesse et ils courent bien plus vite. D'accord. Justement. Là, Geoff, tu es où? J'ai de la bouffe dans mon inventaire. J'ai de la bouffe dans mon inventaire. Là-bas, je vous ai foulé 9 steaks. Et moi, je viens, parle bas. Là, voilà. D'eau, d'un peu d'eau. Dans Night of the Living Dead ici, je vous l'avais dit. Tiens, regarde, je suis là. Bon, je vais la gaspiller, mais c'est pas grave. Regarde, je suis là. Il n'est plus là, je sais pas pourquoi, une raison qui m'échappe. Je suis là. Je crois qu'il est parti sur une autre île, il va revenir. Et retourne-toi. Coucou. Ok, là, pas de soucis. Bon, je consulte un petit peu mon inventaire comme ça. Ah, les portes. Oui, à retenir, lorsque dans un carnet, boule d'homme noir, téléporte. C'est dégueulasse, mais c'est vrai. De quoi? Boule d'homme noir, téléporte. Attends, mais qu'est-ce que tu viens de dire, mec? C'est... Mix qui a commencé. C'était quoi ça? Faut pas tuer Quasimodo. Les forces magiques. Qui a tapé Quasimodo? Que j'ai la gorge. C'est pas moi. Allez, un zombie. Oh tiens. Le père et le fils, un creeper et un cochon. Il y a de l'eau, les mecs, sérieux? Ah oui, j'ai enlevé un petit peu un mini creeper. J'ai marqué qu'ils avaient des pattes de cochon. Il y a un corps de cochon globalement, mais redressé. Pomme de notch, pomme de. D'accord, ok. Si vous voulez. Un zombie m'a donné une carotte. Il est trop bien. Bon, vous avez de l'eau, sérieux? Sérieux, parce que là je suis un peu égotisant. Ouais, mais j'ai pas de quoi la prendre là. Ouais. Ah, attends, viens, fais-moi. J'y vois pas de mètres, mais j'essaie de me repérer. Désolé. Bois ça et après remplis la fiole à la fin. Ouais, y a du stock. Hein. Là, on a un mètre cube d'eau, on peut remplir la fiole un bon nombre de fois. Ça, là j'ai un effet chelou, c'est normal. Tu vas très vite. Oui, tu te déplaces plus vite avec cette potion. D'accord, ok. T'as grave, là, j'ai mes stats. Satan, comme je l'avais dit. Attends, t'as pas flamme qui se transforme en flamme de l'enfer. Ouais, toujours. Attendez, je crois que je réagis et que je guérisse un peu. Attends. Regarde ça, c'est une potion que j'ai faite. Elle est d'un vert foncé et CLB doit savoir de quoi je parle. Vert foncé? Aïe, ça fait mal. Oh, le mec, il nous fait des potions de poison. Non, mais fais comme chez toi, fais comme tu veux. C'est poison ton truc. Bah, j'ai découvert que ça ne servait à rien, ça soigne les ennemis. D'accord, ok. Donc, du coup, tu utilises ça sur les nouveaux venus. C'est pour assez bah, Steam à niveau. Vous l'aviez dit, bienvenue. Ouais, bienvenue, bah oui, mais ça c'est pour moi, pour Saint-Geoff c'était peut-être. Vu que les frapper c'est trop dangereux, parce que avec l'arme que j'ai ça les tuerait, j'ai une autre idée. Je les empoisonne et ça les tue pas, le poison ne tue pas. Le poison ne tue pas, mais affaiblit grandement. Il nous met au bord de la mort. C'est un petit peu comme choper le sida, tu vois, tes défenses immunitaires sont tellement réduites qu'au moindre coup de vent, t'as chopé un rhume, t'es mort. Oui, j'ai un problème, cette voie 3 elle est pas bonne du tout, je ne guéris plus. Je reçois cette force qui me permet d'aiguiser mes armes et de rendre plus solides mes armures. En minant des minerais dans les heures. En enfer. Attends, je mine du quartz en enfer. Non pas pour me faire une montre, mais pour avoir une force magique qui me permet d'aiguiser mes armes sur une île isolée. Non mais réveillez-moi là, j'ai un problème. Je crois que je perds définitivement la boule sur cette île. Mettez-vous à ma place, quoi. C'est galère. Je suis là. Tu es dans toi, enfin. Oh, et d'ailleurs, ouais, j'y pense, ça m'a pas frappé sur tout. Tu en parles? Hashtag bruit de micro. T'as retrouvé la petite navigation, détraqué. Tiens, Geoff. Viens là, rentre dans ce portail. Tiens, j'ai retrouvé le portail. Vous voyez ces flammes? Maintenant je me guéris plus, donc je sais pas pourquoi, mais bon, c'est grave. On va essayer de faire avec. C'est quoi cet endroit là? Et là.
Bon, Tinjoff, tu parles de deux personnes en même temps, c'est bizarre. Et où, là ? Non, non, pas par là, commis. Pas par là. Je crois bien que non, qu'on va arrêter cette vidéo ici parce que moi je. Ah, la pomme de gel, je la connaissais pas encore celle-là. Bref, je vais arrêter la vidéo ici parce que ça serait goofy. Voilà, c'est... comics. Elle commence à s'éterniser. En tout cas, elle aurait été bien fun avec de nouveaux arrivants. J'espère qu'elle vous aura plu parce que nous, on morfle nos races. Mais bon, j'ai eu pas mal de skills pendant les combats, à l'exception de 2-3 creepers de craquer. Suis-moi, comics. Suis-moi. Suis-moi. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt. C'était Cell Bay. À ne pas confondre avec Michael Bay. Michael Bay et Cell Bay. Attends avant de couper. Je veux voir la réaction de comics face à une forteresse. Forteresse. Du coup, est-ce qu'il me parle? Oui. Bon. Je suppose qu'il faut. Suis-moi dans ce monde. Pour c'est lui parce que sur cette île, ça doit pas être facile de recharger comme escorte. Pouvoir pourrir en enfer que vous décomposiez et dévorer par de salvaire. Ne frappe jamais les hommes cochons. Et qu'à jamais soit effacé toutes vos bonnes actions passées. D'accord, ok, c'est noté. Pourquoi je les frappe pas d'ailleurs? Ils sont ils ont l'air... Ils sont un peu agressifs et un petit peu rancuniers aussi. Si tu les frappes, bonne chance pour survivre. Hein. Ils vous donnent ta main et ils vont jusqu'en enfer. Tous, ces gens, ils ont une conscience collective quoi. Ouais, un oui. Les autres. Si tu en frappes un, ils sont 50 000 à t'attaquer. Ok, d'accord. C'est noté. Est-ce que je dois suivre un chemin de copains d'ailleurs? Je crois bien que oui. Oui, il y a des genres de fantômes volants géants qui te lancent des boules de feu. On est bien d'accord que, le chemin où vous êtes passé, c'est un chemin d'abord en cobble, puis en dirt, puis en netherrack. Oui, il y a ça là, regarde. Il y a ces genres de frites volantes en feu. Hashtag. Oui, donc c'est de ce bâtiment qu'il parle. Je suis pas sûr qu'il soit dans la même forteresse que moi. En tout cas, moi j'y suis. Non. Les Belges vous envahissent, c'est un petit frite là, c'est pas possible. Ah, Il y a aussi ces grands hommes noirs là-haut avec des épées. Aïe. Des escaliers. Oui, cette forteresse, on sait pas qui l'a construit, mais moi je crois que c'est ce putain de dragon, comme je te disais tout à l'heure. Comment est-ce qu'il y a un dragon sur une forteresse? Je sais pas. Les dragons, tu peux pas tester. Hein. Les théories de Tinjoff, tu peux pas tester non plus, tu me diras. On va explorer aussi ça. J'ai fait ma conclusion pour rien au final. Ah. Et ne touche jamais. Non mais stop. Mais stop. Au grand jamais. Aïe, ne te laisse jamais toucher par les grands hommes noirs dans l'enfer. Ils m'ont touché et j'ai été mystérieusement déporté vers le monde réel. Ils te téléportent pas forcément dans le monde réel, c'est possible. Mais ce qu'ils peuvent te faire d'autre, c'est t'empoisonner avec une genre d'énergie maléfique qui peut te tuer. Satan, c'est fini, Satan, ça. Elle est vite, cette forteresse. Bon, mais maintenant... Elle est aussi vite qu'un épisode de Tête de Bise ou de la conférence de la PS4, attends, ça. C'est pas du charbonnier, ça, t'en es conscient. Un petit peu, ouais. Au revoir à tous. Au revoir. Tu te casses? Ah. Oui, oui. Moi, je coupe la communication, je vais explorer. Ah, et aussi, dernière info. N'essaye même pas de mettre de l'eau dans ce monde. Ah, au secours. Non, je flambe. Ah, j'espère que j'aurai l'occasion de vous redire à bientôt. Sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB.